Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour Test Drive Unlimited Solar Crown avec l'accent pourri comme d'hab. On est sur PS5 en espérant que cette fois le serveur tienne le coup et qu'on arrive à faire la vidéo jusqu'au bout. Une fois de plus, m'en voulez pas, j'ai fait le maximum pour déboucher mon nez avant, j'ai plus de cachet pour les allergies donc c'est une catastrophe. Allez, on va regarder cette cinématique et ensuite on se retrouvera pour découvrir le jeu. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos sur le jeu, il n'y aura pas que celle-là. On se retrouve après. Tout est prêt? Parfait. Montrez-moi les 6 profils présélectionnés. Voyons qui intégrera la compétition. Ah, donc maintenant, en fait, on peut choisir. Ah, gueule. Pardon. En fait, on va partir de ça, mais j'espère qu'on peut modifier un petit peu parce que. En plus, l'éclairage est tellement chelou qu'on a l'impression qu'ils ont tous les cheveux blancs. Ben on va partir de lui. Modifier l'aspect chirurgie esthétique. Ouais. Après, on va pas y passer non plus des heures, mais. Ouais, on va plutôt faire ça. On va pas y passer des heures, mais bon, vous voyez. On peut modifier pas mal de choses. Coiffeur. Par contre, j'aime pas quand dans les jeux ils trient pas les coiffures hommes, les coiffures femmes, tout ça. Ça m'énerve. C'est un peu chiant. On va faire. On va faire un truc comme ça un peu, hein, parce que de toute façon. Les cheveux attachés, longs. On va pas lui faire un carré plongeant, hein. Comment ils appellent ça? Un bob asymétrique. Et un bob arrondi, d'accord. On va faire ça. Ok. Ah, c'est pour les sourcils. Ah bah c'est mieux. Ouais, écoutez. Après, le but du jeu, c'est pas de passer des plombes à créer un perso, hein. En même temps. On va se calmer sur la stache mou quand même. Voilà, on va faire ça. Et hop, oui. Le reste, on verra plus tard. On va perdre trop de temps avec ça. Encore une fois, on va regarder la cinématique. Et on va se retrouver après. Ceci est un message de Radiant Corporation, chargé de l'organisation de la nouvelle édition du Solar Crown. Un événement automobile incarnant le luxe et l'excellence. Nous recherchons actuellement nos derniers participants et votre profil a retenu notre attention. Vous êtes invité à participer aux courses de sélection pour rejoindre cet événement. Le Solar Crown est une opportunité pour vous de sortir de l'ombre en gagnant le cœur du public. Nous avons choisi l'île de Hong Kong pour cette nouvelle édition. L'île a de multiples facettes. Elle alterne entre zone urbaine, plage et jungle luxuriante. C'est au volant des plus belles voitures qu'il faudra vous illustrer. Avez-vous les épaules pour devenir la nouvelle icône du Solar Crown?
Bon, alors Hong Kong et on aura Ibiza au mois de décembre, ils l'ont déjà annoncé, le retour du casino au mois de juin, enfin, tous les trucs vont arriver petit à petit, c'est un jeu qui va vivre, on espère, sur du long terme. Hein. Putain, je me suis fait bouffer par un moustique encore, laissez tomber. C'est une catastrophe. Allez, j'aimerais bien qu'on puisse piloter. Après, on pourra changer les fringues et tout ça aussi. Hein. Évidemment. Parce qu'il y a un côté vachement... Cette coupe de cheveux, ça va pas du tout, mais bon. Bienvenue à Hong Kong Island. On va dire qu'on s'en fout. C'est pas le truc principal. Hein. C'est... Je suis Viviane Hugues et je représente l'organisation du Solar Crown. Veuillez me suivre. Comme vous le savez, cette compétition n'est accessible qu'à l'élite. Mais je crois avoir vu en vous un certain potentiel. Ici, chaque participant commence avec les mêmes cartes en main. Alors, il va falloir vous distinguer derrière le volant. La première étape sera de me convaincre que je ne me suis pas trompée. Et pour ça, j'ai ce qu'il vous faut. Une Lamborghini Huracan. Ah oui. Une Huracan. Une voiture qui allie élégance et puissance. Bon, évidemment, elle va nous la prêter là pour faire un tour, mais après, on ne l'aura pas dans le garage tout de suite. Hein. C'est une des particularités aussi de Test Drive, c'est que contrairement à Forza Horizon, on n'a pas 15 voitures à 200 000 euros au bout d'une demi-heure. Là, ça va être beaucoup plus long et compliqué. À moins qu'il nous fasse vraiment un gros cadeau dès le début, mais ça m'étonnerait quand même. Carrément. C'est moderne, hein. La lentille qui te file carrément. Ok. Vous savez quoi ? Je vais moi-même vous faire visiter l'île. Suivez-moi. Ils ont dit quoi ? R3, il y a une deuxième vue intérieure, du coup. En attendant qu'Alice ait paramétré votre vie. Une vue capot, moi souvent c'est comme ça que je joue. Une vue route, une vue extérieure. Une deuxième vue extérieure et une vue intérieure. On est en mode performance aussi. Après, j'ai lu à droite à gauche qu'il y avait, bah, il y aura certainement des patchs, hein, mais qu'il y avait encore quelques petits problèmes d'optimisation parfois. Et donc même en mode perf, ça arrive qu'on ait des baisses de framerate. Oh, excusez-moi. Donc on verra. On verra ce que ça va donner, mais... Par contre, elle s'arrête jamais. Du coup, alors on est sur PS5, je me souviens pas si je l'ai dit. Donc les gâchettes adaptatives sont utilisées. Alors pour l'instant, je peux pas rouler comme je veux, je peux pas la doubler. Hein. Vous voyez, je suis bridé en termes de vitesse. Parce qu'il faut la suivre. Vous voyez, dès que je m'approche d'elle, ça freine. Il y a une Mustang, donc voilà, déjà j'ai plus envie d'aller les voir eux. Dans la compétition ou dans les médias, ils ne passent pas inaperçus. Vu votre potentiel, ils viendront sûrement vers vous. Oui. Votre Alice est entièrement configurée. Allez, montrez-moi ce que vous valez derrière un volant. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse quoi maintenant? Que je la trace? Et ben on va la manger tout de suite. C'est parti. On y va. Alors, il y a les animations de volant qui sont un peu critiquées parce que c'est vrai qu'ils tendent pas beaucoup le volant, même quand on braque à fond. Ça, ils ont dit qu'ils allaient certainement retravailler un peu.
mais pas tout de suite parce que ça c'est quelque chose à retravailler, il faut le retravailler sur toutes les voitures, tout, enfin c'est un peu long et compliqué. Donc ils vont le refaire petit à petit certainement. Pourquoi d'un seul coup elle parle en anglais? Elle parle en français depuis tout à l'heure. Je vais vous laisser affronter. Voilà, tous les bon. Après, on est le jeu sort le 12, hein, normalement. Donc, il y aura certainement un petit patch day one encore. Vous participerez au Solar Crown et peut-être deviendrez une star de la compétition. Oh, je suis désolé, j'ai une crise, j'arrête pas de bailler là. Ah, le jeu sortira le 12, donc j'imagine que d'ici là, il y aura. Étapes de votre processus de sélection. Je vous ai mis le point GPS sur votre carte. Ouais. Pouvons-nous y rendre quand vous... Bah on y va mon gars. Sélectionner. Ok. Je cherchais le frein à main, je l'ai trouvé. On va changer de caméra. Celle-là est pas mal aussi, j'aime bien. Allez, on y va. Il n'y a pas de musique, par contre. Bon, j'imagine qu'il y a des radios, quand même, après. Et après, dans ce jeu, on peut... activer les clignotants, on peut faire plein de choses qu'on peut pas faire dans d'autres jeux aussi. Logiquement après on va accéder à notre première voiture qui sera vraiment à nous. On va accéder à l'hôtel parce que pour l'instant c'est un hôtel. Il n'y a pas encore les maisons comme il y avait avant. Oh là là. Bon, vous voyez, pour l'instant c'est compliqué. Un peu quand même. Voilà, si on peut pas faire l'épreuve, on peut pas avancer parce que visiblement cette première épreuve, faut la faire. Et vous voyez, c'est ça qui est un peu chiant. C'est que dans Forza Horizon, par exemple, on peut faire des épreuves contre des IA, on peut jouer en solo, quoi. Là, vous voyez, c'est mort. Je peux pas. Si le serveur il veut pas lancer le truc, si ça marche pas. C'est mort. Terminé à la meilleure position, d'accord. Bah, Zébardi, hein. Zébardi. On va se remettre en... Oh, bah, pourquoi t'avances pas, toi? Vous voyez, là, on est contre des IA, du coup. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, en vrai. Si jamais il n'y a personne de connecté, ou à ce moment-là, ou s'il y a un truc qui fait que le serveur marche pas, ou je sais pas. Voilà. Envoyez-moi des IA. Ouh là là. Ouais, effectivement, j'ai freiné beaucoup trop tard. Et après, on est sur une conduite. Alors, on n'est pas sur une simulation, évidemment, mais c'est un peu moins arcade que les Forza Horizon, etc. Je suis désolé pour mon nez, encore une fois. M'en voulez pas, mais vraiment... il est cuit, je pense que je vais... Après, je vais faire une petite coupure et j'irai me moucher parce que... sinon, ça va être une catastrophe. Bon, on a les gâchettes adaptatives et on a bien les vibrations haptiques aussi. Hein. C'est aussi pour cette raison que je voulais le prendre sur PS5 parce que ça a l'air d'être un gadget au départ, ce truc. Même quand j'ai acheté la console, je l'ai pas acheté pour ça, hein, clairement. Et puis au final, il y a des jeux que j'ai pris sur la Play au lieu de les prendre sur la Xbox, juste pour ça en fait. Parce que, bah, mine de rien, en vrai, ça apporte quand même un petit truc. C'est pas quelque chose de fondamental, mais ça apporte quand même un petit truc. Bon, première place, en même temps, l'IA était en novice. C'était pas bien difficile. Allez. Boum.
Niveau 2 de réputation. Ouais. Parce qu'après, ça va se jouer là-dessus. Vous avez gagné en réputation. Félicitations. Votre réputation est ce qu'il y a de plus important dans le Solar Crown. C'est ce qui fera de vous une légende. Plus vous participez aux événements de l'île, plus vous attirez l'attention sur vous. Avec davantage de réputation, vous aurez accès aux courses et véhicules réservés uniquement aux participants sélectionnés. Je vous ai indiqué votre prochaine course. Pour vérifier sa position, ouvrez votre carte. Tu peux pas me foutre le point GPS direct, non ? Allez. Zébardi, on y va. Ouais, c'est ça. On peut baisser les vitres, on peut allumer les phares ou non. Bon, on va les laisser allumer pour l'instant parce qu'il fait nuit. On peut allumer les essuie-glaces, les clignotants. Il y a plein de choses qu'on peut gérer, qu'on peut pas gérer dans les autres jeux. Attendez, je regarde un truc vite fait. Ouais, c'est bon. Je regardais un truc sur l'enregistrement. Bon allez, parce que j'ai envie après de choisir vraiment mon premier véhicule et d'aller d'aller découvrir un peu l'hôtel, tout ça. Bon, c'est moi qui klaxonne à chaque fois, c'est parce que j'appuie sur le stick en même temps que je freine. Bon, ça a l'air d'y aller, là. Attends, on va se méfier parce que lui va encore nous faire le même coup. De pas accélérer. Après, j'ai pas regardé, il y a certainement des aides au pilotage, tout ça, qu'on va pouvoir activer et désactiver. J'ai pas regardé encore tout ça, mais dans les réglages, mais je pense, on va peut-être regarder ça après. Mais j'imagine qu'effectivement, il doit y avoir des aides. Bon, ça y est, il y a de la musique là, en tout cas. Je disais tout à l'heure, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de radio et tout, mais ça y est, il y a de la musique là. Alors c'est pas ce que moi j'écoute, hein, mais ça colle, je trouve que ça colle à l'ambiance un peu du truc là, donc ça me dérange pas. Bon, pour l'instant on peut pas trop juger de la qualité des IA, tout ça, parce que c'est en novice là, donc j'imagine que ça va augmenter après là, puis bon, après le but ça va être de jouer avec d'autres gens. Là, tout est en novice, donc on va pas juger de la qualité du truc comme ça. Je sais pas si je peux augmenter dans les options ou si ça va se faire tout seul et que là c'est juste au départ pour te laisser prendre en main le truc gentiment. Allez, finito, pronto. C'est gagné encore une fois. Le Solar Crown vous informe qu'un nouveau communiqué va vous être diffusé. Ok. La phase de sélection des participants est terminée. Si vous recevez ce message, c'est que vous avez été choisi pour intégrer le Solar Crown. Félicitations. La concurrence promet d'être intéressante cette année. Les communiqués comme celui-ci nous permettront de vous tenir au courant des actualités du Solar Crown. Ils contiennent tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux événements disponibles et les derniers arrivages. Il est temps maintenant pour vous de rejoindre la compétition. Et pour commencer, nous allons partir vers Hong Kong Island. C'est là-bas que votre aventure débutera.
Et c'est mardi. Je sais que je suis à moitié jeté, hein. Vous inquiétez pas, je suis déjà au courant. Hop là, la Fiat 500, on l'a double esquivé. Et on va aller à Hong Kong, et là, l'aventure va débuter. Voilà, oh là là, la pauvre Lambeau. Je vais vous mettre une autre caméra. Moi, je joue jamais en vue extérieure. Je vais vous la mettre un peu, histoire de vous montrer un petit peu quand même. Alors, les caméras, ils ont dit qu'ils les retravailleraient sûrement aussi un petit peu à l'avenir. Parce que j'ai cru comprendre que certains disaient genre que la caméra extérieure, elle était pas assez dynamique ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Elle plaisait moyen à certaines personnes. Donc, ils disaient qu'ils allaient retravailler ça. Moi, perso, étant donné que je l'utilise pas, je m'en fous un peu. Mais bon, à voir ce qu'ils feront. Vos performances sont excellentes, mais je n'avais aucun doute sur vos capacités. Bien, ce véhicule doit rester ici, mais vous et moi partons pour le Solar Hotel, le cœur de la compétition. De hauteur. 120 étages. Nous nous trouvons au sommet du Solar Hotel. Il s'agit du bâtiment le plus haut de Hong Kong, que nous avons bâti spécialement pour l'occasion. Et vous n'avez encore rien vu. Le Solar Crown est plus qu'une compétition. C'est aussi une manière de voir le monde. Bien, j'ai une petite urgence à régler. Prenez cet ascenseur, il vous amènera à vos appartements. Et pour la suite, Alice se fera un plaisir de vous guider. Bienvenue dans votre Allez, hop. Le Solar Crown nous met une à disposition pour chaque participant. Je suis Alice. C'est pas mal, non ? Je vous aiderai à gérer votre agenda depuis le panneau d'information de votre chambre. Je vous accompagnerai aussi dans l'organisation de vos activités. On a le dressing, tout ça, évidemment. Sinon, on serait pas dans Test Drive. D'ailleurs, Madame Hugues vous attend au concessionnaire. Prenez l'ascenseur et rejoignez le hall de l'hôtel. Bon, voilà, vous voyez, on a notre chambre d'hôtel, on aura notre dressing, tout ça. On peut regarder, d'ailleurs. Le dressing, parce que j'ai peut-être déjà des trucs. Ouais, on va faire cake jusqu'au bout. Quand, ouais, voilà, ça, c'est mieux. On peut mettre une montre. Voilà, on voit pas forcément la différence. On va laisser celle-là. Après, ah, on peut mettre carrément des... Ok. Ça, c'est toutes les émotes, les machins. Oui. Allez, Zébardi. On y va. On va pas perdre trop de temps. On va aller à la concession. On va aller voir ce qu'on n'a pas les moyens d'acheter. Vous trouverez plusieurs services, comme la boutique de vêtements et le salon de beauté. C'est le lieu de rassemblement pour rencontrer les autres compétiteurs du Solar Crown. Et oui. Pour le moment, les autres participants sont actuellement en course, mais vous les croiserez ici tout au long de la compétition. Tout comme vous, ils ont réussi à passer les épreuves de sélection. Votre chauffeur vous attend à l'entrée du hall. Allez, bah laisse-moi lui parler.
Salut mon gars. Madame Hugues m'a chargé de vous conduire. Bien, allons-y. Bien, allons-y. Tommy ! Je suis bloqué en Scooby-Doo en ce moment. On va faire le voyage rapide puisque de toute façon j'ai pas de voiture donc j'ai pas le choix. Mais on va aller regarder ce qu'on n'a pas les moyens d'acheter et puis il y a une Alpine là-bas. Je pense qu'on va on va faire ça. Hein. On n'aura pas trop le choix. Hein. Elle est là, mes mères. Dans le cadre de la compétition, nous avons mis en place de nombreux lieux comme celui-ci à travers l'île. Nous tenons à proposer à nos participants les meilleures voitures possibles. Cependant, certains de ces véhicules seront accessibles si vous gagnez suffisamment de réputation. L'organisation a bien les moyens de ses ambitions. Et donc, justement, voici les trois premiers véhicules disponibles pour débuter la compétition. Faites votre choix. Le Solar Crown tient à créditer votre compte avec vos premiers Solar Coins. En ce qui me concerne, je dois vous laisser. Mais j'imagine que nous aurons le plaisir de parler à nouveau. En attendant, vous pouvez maintenant vous mesurer aux autres membres du Solar Crown. Bonne chance. Eh ouais, copine. Alors, Ford Mustang GT... Ça me dit bien, quand on avait fait la démo PC, j'avais pris l'Alpine parce que c'est une voiture que j'aime beaucoup aussi. On a la 370Z, c'est une autre philosophie aussi. Elle est moins chère en plus. Et bah, pour une fois, là cette fois on va pas reprendre l'Alpine. Je pense qu'on va aller se diriger vers la Mustang. Non, on n'a pas besoin de faire le test de conduite. Ça fait 459 chevaux. Après, ça fait 1 tonne 7. Oula. Ça pète un peu, hein, quand même. Ouais. Ça, vous voyez, après, c'est des options en plus. Parce que ça, c'est des couleurs réellement des concessionnaires. Hein. Donc, c'est des options en plus. Là aussi, c'est des configurations qui sont disponibles sur le vrai modèle. Mais on va rester assez... Ah, j'aime pas trop les trucs qui pètent et tout, là. On va rester assez neutre à ce niveau-là. Hop. Et vous voyez... Ça me fait une voiture à 201 500. On va l'acheter comme ça. Ouais, allez. Vous pouvez changer de véhicule au Solar Hotel via votre garage. On y va. C'est parti. Nos félicitations. Profitez de votre nouveau véhicule. Je vais pas vous mentir, pendant 2 secondes j'ai eu peur. J'ai cru que c'était une Asiatique et qu'il lui avait fait l'accent un peu cliché, vous savez, à Bandour. Hein. Ouais. Priez sur ces courses. J'ai mis à jour mon firmware. Si cela vous intéresse, je vous ai connecté à mes autres utilisateurs aussi. Ok. Leur sélection vient tout juste. Ok, laisse-moi tranquille. Donc on a station service. Lamborghini ici. Faut pas se mentir que pour l'instant... il y a un joueur ici. Un radar ici. Italienne. Point de ralliement. On va zoomer à fond là sur la carte. Ah non. On va aller faire cette course. La radio est coupée là, mais comment on fait par exemple si on veut la mettre? Ça, c'est le mode photo. Pas mal. Dans 400 mètres, tournez. Ça, c'est... ok, pour tout ce qui est essuie-glace, machin. Comment on met la radio?
Par exemple, si on veut la mettre là, tout de suite, comment on fait? Là, on fait des appels de phare. Ça, c'est toujours le mode photo. Ça fait deux fois que j'appuie. Bah, je ne sais pas. Est-ce que c'est marqué quelque part? Option. Audio, machin, non. Contrôle. Accélérer, freiner, tout ça, ok. Bah, je ne sais pas. Peut-être que c'est automatique en fait, je ne sais pas. Hop. On va faire une petite photo, on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Faire un peu d'inclinaison, tout ça, masquer l'interface, toc, allez, on perd plus de temps, on y va, c'est parti. Pardon. Par contre, là, la saturation, j'avoue, ça pète les yeux avec la lumière. Oh là là, il me fait prendre des routes, lui. Épave à proximité. Ah ouais, il y a des choses comme ça aussi. C'est où, c'est où, c'est où? Je sais, on va se laisser déconcentrer. Je me souviens quand j'ai fait la démo PC, j'en ai trouvé une comme ça. Non, le bip ralenti, là. C'est par ici, hein. Ah, c'est là-bas, peut-être. Dans le chantier, là. Attendez. On va remettre la caméra. Pardon. On y est, là. Hein. Le klaxon, lui. Allez, là. Et voilà. En fait, je pense qu'il klaxonnait pour me dire que c'était là. Donc ça, c'est pas mal, vous voyez. On peut récupérer les épaves. Allez, on va aller. Hop.
Donc là, ils nous recherchent des joueurs. Et là, si vous faites démarrer l'épreuve rapidement, ça vous démarre l'épreuve avec des IA, apparemment. Si jamais vous galérez à trouver des joueurs. Donc ça, c'est plutôt, plutôt pas mal. Ah, vous voyez là, aide à la conduite. Ouais, on peut se mettre juste en confirmé, on va faire ça. On va se mettre un peu entre les deux, on va voir. Bon, là, on va faire démarrer l'épreuve. On va pas attendre. Parce que pour l'instant, ça a l'air un petit peu compliqué. Chat vocal désactivé, c'est très bien. Là, je vais avoir moins d'aide à la conduite. On va voir ce que ça va donner. Effectivement, il y a quelques petites baisses de framerate là, quand il y a beaucoup de trucs à l'écran, qu'on est tous au même endroit et que c'est chargé. Après, voilà, faut partir du principe que pour l'instant, le jeu n'est pas sorti encore officiellement, même s'il est dispo quand même pour les versions gold, mais. Il peut encore y avoir des patchs même avant le 12. Que de toute façon il y en aura des patchs. Et que on n'est pas. À base on n'est pas sur un triple A, ils n'ont pas le budget qu'Ubisoft a mis dans The Crew Motorfest ou que de l'autre côté ils mettent dans Forza Horizon. Et puis on peut dire ce qu'on veut, mais Forza Horizon, alors c'est peut-être plus joli au niveau technique et tout, mais excusez-moi, ça me gratte le bras, mais par contre, on n'a pas des villes aussi grandes, aussi détaillées, aussi voilà, ça n'existe pas en fait. C'est le seul qui propose ça. Donc il y a un moment où il faut faire quand même des concessions quelque part. Mais je vous avoue que j'ai hâte d'aller voir un peu aux alentours de la ville, moi. Les chemins de terre, les plages, les choses comme ça, là. Quand même, ça peut être sympa. Vous voyez, là, déjà, c'était un peu plus serré par rapport à tout à l'heure. On récupère un petit peu d'argent, mais bon, vous voyez, j'ai récupéré 25 000, mais quand vous voyez le prix des voitures, sortir de l'épreuve, oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que des épreuves, il y en a d'autres... Il y a des joueurs qui se baladent. Vous voyez, après, c'est des zones. Et quoi, il y a ça? Promenade de santé. On va aller faire ça. Hop là, ouais. Forcément, plus avec cette voiture-là, ça va glisser un peu plus de l'arrière avec moins d'aide. Ça va être un peu plus rigolo. On sent tout de suite même que le gameplay par rapport à la Lambo avant est pas du tout le même. Oh là là. Après, pour ce qui est des concessions, tout ça, il va falloir les découvrir en se baladant. Vous êtes arrivés.
Ah, il y a encore une épave. J'allais dire une épreuve, une épave, pas loin. Ça peut faire des bonnes voitures après dans le garage. Hein. Battez le temps de 2 minutes 10. Ok. On va essayer. Ouais, j'ai l'impression que la radio elle s'allume pendant les courses, mais que sinon en fait on ne l'a pas. Ou alors il y a une touche et j'ai pas encore. J'ai juste pas trouvé comment on fait. Je ne sais pas. Bon, pour l'instant c'est plutôt sympa, après vous allez me dire, pour ceux qui jouent déjà à The Crew ou quoi, vous allez me dire que ça y ressemble un peu, c'est un peu le même genre de jeu, bah effectivement oui, mais on a tout le côté roleplay, tout ça qu'on a dans Test Drive, et puis ça va se développer encore de plus en plus, puisqu'ils vont nous rajouter le casino, comme on avait dans les anciens, ils vont nous rajouter après les maisons, qu'on pouvait acheter, décorer, tout ça, ils en ont parlé. Ils ont dit qu'ils allaient le faire, mais que si eux, s'ils le font, ils voudraient qu'en fait ce soit des lieux où on puisse inviter d'autres joueurs pour faire des choses. Ils ont aussi parlé des motos. Alors ça, parce que il y a un des Test Drive Unlimited, je sais plus, c'était le 1 ou le 2, je crois que c'était le 1, où il y a eu des motos, mais c'était pas, en termes de gameplay, tout ça, c'était pas GG. Là, c'est KT Racing, donc eux, ils savent faire les jeux de moto. Ils ont dit que s'ils devaient le faire, ils le feraient pas tout de suite, parce qu'ils veulent pas que ce soit juste ajouté comme ça pour dire on a mis des motos. Mais ils voudraient que ça serve vraiment à quelque chose, qu'il y ait vraiment des épreuves et en presque un deuxième jeu, quoi. Donc, je pense que c'est pas une idée qu'ils ont totalement mis de côté, mais pour le moment, ça va pas arriver tout de suite, quoi. C'est pas prévu. Déjà, en décembre, on aura Ibiza. Et ça, c'est cool. Hop, pour l'instant, on fait de l'argent, on fait de la réputation. Épave à proximité, ouais, mais le problème, c'est que je suis sur un pont et que je suis certain que l'épave, elle est en dessous du pont. Moul. Moi, je pense qu'elle serait plutôt par là. Peut-être que je me gourre complètement, hein, mais... Là, j'ai l'impression qu'on s'écarte. Par ici. Il y a un truc là déjà. De l'argent, d'accord. Mais il y a une voiture par ici, c'est sûr. Ah oui. Alors, faut qu'on monte réputation niveau 5. Qu'est-ce que je peux faire ? Encore. Parce que là, je vois pas d'autres courses dans le coin. Pour le moment. Donc, je ne sais pas. Faut aller dégommer ce radar, peut-être.
Ouais, c'est ça, dans 200 mètres, on va tourner à gauche. Allez, on y va. Attendez, il y a un truc là. C'est quoi ça? Ah, point de ralliement du... Ok. Du Solar Hotel. Allez, faut qu'on... Là, faut tracer. Le radar, il va être tout droit. Ah non, faut tourner après. Merde. Ah ouais, bah non. Faut que je prenne un peu d'élan, parce que sinon, on va jamais y arriver à le faire péter, ce pauvre radar. Mais où est-ce qu'il est? Ah, il est là! On va prendre un peu d'élan. Hein. Hop, je vois. Je suis désolé, je regarde dehors là parce que je vois un fourgon se garer devant chez moi, mais j'attends pas de colis là. Donc. Ah, ça y est, j'ai mon niveau 5 de réputation. D'accord, c'est parti. Le Solar Crown est là pour vous accompagner. Vous pouvez dès à présent accéder à nos ateliers. Les ateliers intégralement automatisés sont à la pointe de la technologie. Vous allez pouvoir améliorer vos véhicules dans le moindre détail. Ne vous inquiétez pas, Alice vous expliquera tout ce qu'il faut savoir. Je vous ai débloqué plusieurs nouvelles courses, mais on dirait que votre véhicule actuel ne souscrit pas à leurs restrictions. Ok. Vous ne pourrez pas y participer tant que vous n'aurez pas un véhicule plus puissant. Pour faire ces modifications, vous devez vous rendre à l'atelier. Je vous l'ai indiqué sur votre carte. Bah, allons à l'atelier. Et puis... On va y aller direct et puis on s'arrêtera là parce qu'on va arriver presque une heure de vidéo. Donc, allez, salut les gars. On va désactiver le chat parce qu'il y a le chat aussi ici. Allez. Performance. Donc là, elle nous donne quoi? Un turbo. Et ça va nous faire gagner quand même un peu de puissance puisqu'on va passer à 512 chevaux, 635 Nm de couple. Acheter et équiper. Donc on a évidemment tout ça. Après ça se débloque aussi, vous voyez, avec les niveaux de réputation. On peut modifier pas mal de trucs sur les voitures. Un bracam, machin. Et vous voyez, ça va jusqu'au système de frein, de suspension, de l'aéro, tout ça. Après on n'est pas sur un Need for Speed, hein, donc ça fera pas. On mettra pas des gros ailerons, des trucs comme ça. Mais il y a quand même un peu de cosmétique. Donc, pièces cosmétiques. On peut quand même, voilà, changer les jantes, mettre des vitres teintées, des choses comme ça. On va faire un petit 40%. On peut rechanger l'intérieur si on veut finalement rechanger. Mais vous voyez, on peut pas changer tous les éléments extérieurs de la carrosserie, etc. On n'est pas sur un Need for Speed. On peut... oui, ok. Collection de livrées. Par défaut. Après, j'imagine qu'on pourra regarder les livrées... les livrets que les gens vont faire, on a des peintures carbone, chromées, mat, machin, métallique, satiné, doux. On peut foutre.
des autocollants partout sur la bagnole, machin. Ça, on avait déjà regardé un petit peu sur la démo PC. Mais voilà, on peut se casser de là. On a fait ce qu'elle nous a demandé. Trois nouvelles épreuves sont éligibles. Eh ben, on ne va pas y aller. C'est du Solar Freak. C'est du Solar Freak. Écoutez, on ne va pas aller plus loin pour cette vidéo. Je pense que là, je vous en ai montré pas mal. Moi, je continuerai de mon côté et je ferai certainement une autre vidéo. Peut-être de temps en temps, une vidéo comme ça. On fera des épreuves, machin. Et puis... on se retrouvera à coup sûr dessus en décembre quand Ibiza va arriver. En plus, je serai en vacances normalement à ce moment-là. Donc, écoutez, je vous remercie. Là, on se retrouve ce week-end pour AstroBot avec Ewen. Donc, à la prochaine. Salut à toutes et à tous.